ce bateau n'a jamais connu les océans, il progresse pourtant à belle allure. Au rythme de GTT, ses recherches, ses technologies propriétaires, ses équipes de passionnés. Nous sommes ici en banlieue sud de Paris, au siège d'une entreprise française reconnue mondialement pour être le fournisseur, l'interlocuteur, l'expert de référence des systèmes de confinement pour le transport de GNL au niveau mondial. Notre métier de base, depuis 55 ans, est la conception de cuves pour méthaniers et le développement de technologies qui contiennent du gaz à l'état liquide à moins 163 degrés. Nous avons acquis de belles avancées, par exemple les navires regazificateurs en remplacement des terminaux terrestres, qui se sont transformés en commandes et font notre fierté. Elles nous encouragent à chercher encore d'autres applications, d'autres innovations de rupture. Les fondateurs de GTT étaient des pionniers visionnaires. Et aujourd'hui, toute l'entreprise, que ce soit en ingénierie ou sur le terrain, est mobilisée pour garder ce coup d'avance. On prône ici la souplesse, la transparence et le respect. Le circuit court de décision favorise l'efficacité. Je me sens reconnue et impliquée dans la réussite de l'entreprise. Le management de l'innovation à GTT est porté autant sur la recherche de solutions technologiques de pointe que sur la créativité. On ouvre des voies qui souvent découlent sur des projets dédiés regroupant des multicompétences. Aujourd'hui, après diverses missions en France et à l'étranger pour GTT, je manage une équipe qui travaille sur une expertise transverse et majeure dans nos évolutions. Alors, si comme Florent, vous avez une âme de découvreur, vous avez envie de partir en mission à travers le monde, à travers vos compétences acquises et cachées, GTT a besoin de vous.